Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, amis de partout, vaillants soldats, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth, notre divin sauveur. Nous remercions l'Éternel parce qu'il permet de nous coucher, nous réveiller, nous à respirer le souffle de vie. Bien-aimés frères et sœurs, moi c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et tandis que nous gagnons chance pour que nous capables de ranger, causer nous avec Papa bon Dieu, nous pourrons passer un petit temps dans l'étude parole. Moi souhaite au bienvenu, moi souhaite bien-aimés frères et sœurs, un moment ça que nous pourrons passer ensemble. C'est un moment qui est bénéfique et profitable pour chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, moi, jeudi, c'est mardi 16 mai 2023. Nous allons continuer l'étude pour ce matin. Étude pour semaine ça, c'est leçon 8 qui gagne pour titre le sabbat et la fin. Verset à mémoriser à nous jeunis dans Éphésiens 3 verset 9 et il dit nous que et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et leçon pour journée mardi a gagné pour titre mes bien-aimés frères et sœurs un mensonge pas si subtil. Avant même nous rentrer dans le son, bien-aimés frères et sœurs, moi en nous prenons position révérencieuse tandis que nous allons prier le Seigneur. Adorable Père des cieux, l'Éternel des armées, merci pour nous être là, vous permettre de nous traverser en bien. Merci parce que vous réveillez nos pieds, vous avez accès à la parole là, tandis que la parole là l'ouvre devant nous. Céleste Père, n'a demandé que pour pardonner faute nous et péché nous, voyez cet esprit ou pour assister nous, pour instruire nous des nouvelles vérités. Et aidez-nous l'Éternel à mettre des vérités en pratique. Aidez-nous l'Éternel à faire volonté ou dans la vie nous. Fais-nous grâce à la faveur ça yo. Nous prions dans le nom de Jésus petit toi. Amen, amen, amen. Mais bien aimés frères et sœurs, un mensonge pas si subtil. Le mot si subtil, c'est là qui est clair. Oui, bien aimés frères et sœurs. Donc, un mensonge qui pas si mystérieux. Nous mettons le comme ça. Donc, Satan non seulement l'essayon menteur, mais l'essayon trompeur. Gagne yon slight différence entre menteur et trompeur, mais Satan li tous les deux. Yon menteur li bon mentia, pas vrai, mais Satan li même des fois, ou bien en pile fois, ça le fait, li prend vérité, li mêle avec mensonge et puis li présenter le baou comme vérité. Maintenant ça c'est un trompeur. Donc l'elle présenter le baou ou même qui pas connaît, bien-aimé frère chez moi, là ou trompé ou li dupé ou bien-aimé frère chez moi parce que ou prennent pour vérité, li doit prendre 90% vérité, li mêler la 10% mensonge, bien-aimé frère chez moi, li gâter bagay là. Pour qui ça si important, bien-aimé frère chez moi? Pour qui ça, y a un petit mensonge qui rentre dans une bonne vérité ligatelle. Nous prenons par exemple, bien aimé frère, monsieur, moi j'ai raté, par exemple, il y a un pile bon ingrédient là-dedans. Mais peut-être les gars, il est capable de gagner 5-10% strychnine là-dedans, poison qui touille rat là. Bien aimé frère, monsieur, ça qui a attiré rat là, c'est bon ingrédient, bien aimé frère, monsieur, et c'est poison oui, qui touille rat là. Les poisons, il n'est pas en pile, on a mangé rat là. Donc, faisons-nous faire un peu l'attention de une série de messages, une série de doctrines, une série de l'évangile qu'a prêché de Yoa. Maintenant, bien aimé, frère, monsieur, nous parlons comment que Satan lui rentrait un mensonge en dans vérité à et lui présentait comme un mensonge. Et puis, bien aimé, frère, monsieur, bagalacha vérité en bas. Et hier, nous t'es ouais. C'est pas hier nous noter ouais que comment et Satan li pa vle ouais Jésus agir. Non seulement li pa vle ouais Jésus, li pa vle ouais tout le monde qui a suivre Jésus.
et li pa vle wè vérité que la Bible même la prêché. Donc li rentré en façon ou d'une autre pour que le capable dévier vérité ça, pour que bien-aimé frère Pchom le capable continuer kembe le monde dans les ténèbres. Et li gen pile l'argent que la travaille avec yo bien-aimé frère Pchom partout et ailleurs. Bien-aimé et le récit de la création, c'est ça que nous parlons matin, comment Satan rentré dans bagaille là. Le récit de la création, comment il est rentré en mensonge là-dedans. Et la Bible et selon Genèse chapitre 1er et chapitre 2, bien aimé frère, je vais montrer nous que la terre, bon Dieu créé la terre en 6 jours littéral. Ça veut dire que 24 temps, bien aimé frère, nous yon jour. Donc il créé la terre en 6 jours littéral. 6 jours littéral, mais évolution dit non, c'est pas ça. Évolution dit non et tout bagaille yo vin évoluer au fil des temps. Donc la terre bien-aimé frère sur moi, il gagné en pile année avant que nous vinnouel Jean lier là. Bien-aimé frère sur moi, avant que vinnouel pied boyau, avant que nous-mêmes nous fêtes, nous-mêmes nous évoluer tout. Donc c'est ça évolution lui-même li bail. Mais qui ça la Bible lui-même lui dit? Est-ce que bon Dieu lui-même les gagne pouvoir selon ça que nous te ouais semaine dernière selon ou même est-ce que bon Dieu les gagne pouvoir pour que les capable créer en 6 jours littéral moi même Abdou oui parce que puissance bon Dieu pas limitée. Et Psaume 33 verset 9 je crois il dit donc que il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et nous allons aller tout dans Hébreux 11 verset 3 qui dit nous que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé frère, sur moi, le récit de la création, bon Dieu créé la terre en 6 jours littéral. Donc, mot pour jour là, en hébreu, c'est yam. C'est là où je n'y am qui peut. Pas vrai? Lès que vous prenez yon nombre, ou bien vous prenez yon chiffre, vous mettez là devant mot ça, yam, non, li limite automatiquement à 24 temps. Donc, pour qui ça Satan rentre, il fait comme ça. C'est tout simplement parce que il voulait éliminer question sabbat. Donc si que la terre n'est pas créée en 6 jours littéral, donc pas gain à faire pour dire que pour me reposer le 7e jour, pas gain à faire pour dire que l'Éternel il reposait le 7e jour, pas gain à faire pour dire que jour adoration c'est le 7e jour, pas gain à faire pour dire que jour que l'Éternel il réservé pour tout peuple réuni pour adorer, bien-aimé frère sur moi, il pas existé. Donc c'est là où Satan rentré pour qu'il capable dévier message là. Donc il dit, il fait comprendre que vous capable adorer n'importe jour que vous voulez. Donc il y a un pile et dénomination qui choisit pour que vous capable adorer le dimanche. Mais bien aimés frères et sœurs, bon Dieu il bail comment ça. Il dit que m'a répété le pour nous te répété hier. M'a répété le pour encore. Il dit que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il dit que à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair devient ou bien viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Donc si Satan j'ai nos moyens pour éradiquer vérité ça bien-aimé frère monsieur moi donc toute l'autre adoration n'importe jour que vous choisissez pour adorer bien-aimé frère monsieur c'est les mêmes qui peuvent recevoir adoration et nous voyons que comment il rentrer
théorie ou bien enseignement évolution en bagarre là pour que le dit non la terre pas créée en six jours littéral mais de préférence bagayo c'est évoluer que yo évoluer même ou même là oui évolution vient le faire comprendre c'est évoluer ou évoluer et tandis que bien mes frères c'est moins Somme 139 verset 14 dit comme ça que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je souhaite que le son était clair pour vous. Bien aimé, frère, nous ne pouvons pas prêter trop. Et je remercie nous toutes pour patience nous parce que nous avons travaillé dans le studio pour que nous soyons capables de mener une vidéo. Je comprends que les vraiment pas intéressant, les que c'est audio seulement attendez et moi remercie nous pour patience nous et nous pour arriver côté d'a supposé arriver à mener travail d'arrache pied pour que bien aimé frère sur moi nous capable ba ou un produit et nous capable ba ou un produit qui assez intéressant bien aimé frère sur moi nous compter nous pour que nous capable prier le Seigneur. Adorable Père des cieux, l'Éternel des armées, merci pour parole à matin, merci pour vérité, sabbat que vous fait nous encore une fois comprendre matin, pas quitter nos deviers de vérité, ça peu importe Jean Satan les menait à présenter, céleste Père permette que ton Saint-Esprit les va à l'Éternel continue instruis nous selon ta parole, selon ça que la Bible lui-même lui dit. Permette que Seigneur moment ça l'Éternel ça que nous apprendre aujourd'hui hein, nous va continuer ruminer sur lui pendant toute journée pendant toute 13 minutes il va servir nous comme témoignage il va servir nous comme âme pour que nous capables combattre les ruses et les mensonges du diable. Journée a déjà commencé devant nous céleste Père nous va rentrer dans activité nous yo. N'a demandé au bon Père que ou va permettre nous cacher en bas grâce garder nous protéger nous diriger nous timonio devant ou va permettre céleste Père de passer une bonne journée dans l'école yo et céleste Père ensemble n'a va retourner la caille nous pour que nous capables continuer l'Éternel par gloire au même seul au mérité. Fais-nous du bien nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus de Nazareth ton fils bien-aimé. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.